Bonjour et bienvenue à notre webinaire organisé par le Réseau des journalistes de la Terre, the Earth Journalism Network, un projet soutenu par Internews. Je m'appelle Mona Samari, je suis basée à Tunis et je suis la cofondatrice d'un réseau de journalistes sur les océans en Afrique de l'Ouest. Notre webinaire aujourd'hui destiné aux médias a pour but de vous fournir un contexte à la fois international, sous-régional ainsi que communautaire sur les enjeux des négociations qui se déroulent à l'échelle globale de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Quels sont les effets de cette politique sur l'environnement? C'est une question que nous allons tenter d'aborder aujourd'hui. Les subventions à la pêche estimées en 2016 à plus de 35 milliards de dollars par an sont un facteur majeur qui contribue à la surpêche et à la surcapacité. C'est particulièrement le cas des subventions nocives accordées au secteur de la pêche industrielle à grande échelle dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale qui visent les stocks de poissons en haute mer et près des zones économiques exclusives des pays en développement. Je suis très honorée d'être rejointe par un panel entièrement féminin, des leaders dans leur secteur et des vraies femmes de terrain qui vont nous permettre de prendre acte de toutes ces dimensions. Nous avons Madame Dia Diop au Sénégal, nous avons le docteur Dia Belhabib au Canada et nous avons Madame Béatrice Gorez à Bruxelles. La raison pour laquelle il était important d'avoir un panel entièrement féminin pour discuter de l'impact des subventions nocives est parce que dans beaucoup de pays en Afrique, les femmes sont les piliers de l'économie familiale et occupent une place prépondérante dans la filière de la pêche. Elles sont les plus exposées aux changements dans le secteur et même si elles sont à l'avant des opérations de pêche artisanale, elles sont souvent marginalisées dans un secteur qui est déjà lui-même marginalisé. Je vais maintenant passer la parole à notre première invitée, Madame Diaba Diop, présidente du Réseau des femmes de la pêche artisanale du Sénégal. À vous la parole, Madame Diop. Je pense que oui. Bonjour, bonjour tout le monde. Comme vient de dire, je m'appelle Madame Diaba Diop. Je suis une femme transformatrice de produits halieutiques à Thiaré-sur-Mer, Penkium, Sénégal, dont je suis la secrétaire générale. Mais présentement, comme vient de me présenter, je suis la présidente nationale du réseau des femmes de la pêche artisanale au Sénégal. Donc, je m'en vais présenter mon thème qui porte sur les femmes pêcheurs en Afrique de l'Ouest, impact actuel de la surpêche par les flottes en eau lointaine, mais aussi comment ces flottes ont impacté le métier de la transformation et même par rapport aux subventions dotées de la pêche. Donc, le plan de la présentation se déroule comme suite. Je vais d'abord, en premier temps, aborder en Afrique de l'Ouest, particulièrement le cas du Sénégal. Ensuite, un grand emploi des femmes dans la pêche artisanale. Et en trois, contribution des femmes au développement socio-économique. Et en quatre, impact actuel de la surpêche par les flottes en eau lointaine. Et enfin, quelques recommandations. Diapo. Diapo, s'il vous plaît. Donc, l'importance de la pêche. Je vais démarrer par l'importance de la pêche au Sénégal. Donc, la pêche artisanale joue un rôle très important au Sénégal. Un rôle clé dans la sécurité alimentaire et dans l'éradication de la pauvreté. Donc, tout le monde sait que la pêche crée des richesses dans notre pays. C'est une source de devises parce que les débarquements s'élèvent à plus de 500 000 tonnes par an, avec une valeur commerciale de plus de 200 milliards.
dont près de 80% est assuré par la pêche artisanale. Donc, c'est une source d'emploi, création d'emploi, comme vous le voyez, mais aussi une source de nourriture. Donc, tout le monde sait que... Slide, vous n'êtes pas... nous ne sommes pas dans les mêmes... Slide, s'il vous plaît. Next slide. Next slide. Oui, yes. Donc, comme je viens d'expliquer, c'est une la pêche donc pourvoyeuse d'emploi. Tous les acteurs de la chaîne de valeur, donc vous voyez, une source de création de source d'emploi, mais source de sécurité alimentaire. Donc, tout le monde sait que le poisson est riche en protéines animales, 70%. Des protéines alimentaires d'origine animale vient du poisson. Next slide. Donc, les emplois des femmes dans le secteur de la pêche artisanale. Donc, comme je viens de dire, les femmes sont partout dans le secteur de l'exploitation de coquillages, surtout les femmes qui sont au niveau des îles, des saloums et autres. Mais aussi, les femmes sont aussi présentes au niveau de la transformation, donc, qui est une activité typiquement femme, mais il y a des hommes. Mais aussi au niveau du mariage, il y a aussi des femmes. Mais tout le monde sait que la pêche, c'est une pourvoyeuse de devises, comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc, ça crée beaucoup d'emplois. Next slide. Next slide. Donc, quand on a parlé de l'importance des femmes dans le secteur, donc tout le monde sait que dans le secteur de la pêche, la majeure partie, les plus de 50%, c'est des femmes. Donc, vous voyez que les femmes sont partout présentes dans le secteur de la pêche. Donc, de la conservation et restauration des ressources, donc au niveau des îles de Saloum, vous voyez des femmes qui plantent des mangroves, mais aussi les femmes sont aussi présentes au niveau du secteur de la transformation, la valorisation des ressources halieutiques, mais aussi on peut dire que la pêche est aussi pourvoyeuse d'emploi, comme je viens de dire, mais aussi source de nourriture. Donc la pêche crée des richesses. Les femmes qui sont dans le secteur de la pêche participent à l'équilibre familial, mais aussi à l'éducation de nos enfants, de la santé familiale. Donc, tout ce que nous tirons comme bénéfice par rapport à notre activité de transformation et de mariage, donc ça, tous ces retombées-là, nous finançons ça au sein de la famille. Donc, c'est nous qui assurons l'éducation de nos enfants. Donc, la pêche englobe en un mot beaucoup, 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 beaucoup de recherches. Slide. Donc, après avoir rappelé le rôle que jouait l'importance des femmes, avoir rappelé la pêche comme principale source de devises pour les acteurs qui s'activent dans ce secteur, mais néanmoins, ce secteur s'est confronté à beaucoup de difficultés, surtout l'impact lié à la surpêche par les flottes en haute au lointain. Donc, par rapport à ces navires que je viens d'illustrer ici, donc vous voyez que ces navires, la forte présence de ces navires dans nos eaux lointaines empêche la pêche artisanale d'être accédée à la ressource. Donc, ce qui entraîne la raréfaction de la ressource, mais ça fait partie des facteurs qui montrent que la ressource est rare. Donc, par rapport à la forte présence de ces navires dans nos eaux, mais aussi il y a aussi la forte présence des pirogues artisanaux. Donc, mais ces flottes-là empêchent les pêcheurs d'accéder à la ressource, faute comme quoi que la ressource devient plus rare. Et donc, cela répercute dans le travail des femmes transformatrices. C'est pourquoi nous, en tant que femmes transformatrices, l'accès à la ressource est difficile. L'accès à la ressource est difficile parce que il y a
plus suffisamment de poissons qu'on débarque au niveau de nos aires de débarquement, au niveau des quais de pêche. Donc, parfois, les gens font une amalgame en disant qu'il y a du poisson. Oui, il y a des poissons, mais les pirogues qui viennent débarquer au niveau de nos quais de pêche, ces pirogues pêchent au niveau de la Gambie, au niveau de la Mauritanie, au niveau de la Guinée, et viennent se débarquer au niveau du Sénégal, alors que les gens pensent qu'il y a du poisson. Non, alors qu'il n'y a pas suffisamment de poissons. Donc, ces navires empêchent les pirogues artisanaux d'accéder à la ressource parce que ces navires-là, partout là où ils pêchent, donc les pêcheurs artisanaux n'ont pas les moyens de pouvoir accéder à ces eaux-là. Donc, on a eu des difficultés pour nous, en tant que femmes, d'accéder à la ressource parce que le peu de débarquement que nous avons. Donc, il y a la forte concurrence entre nous, en tant que femmes transformatrices et des usines de farine de poisson. Mais en tant que nous, en tant que femmes transformatrices et les usines d'exploitation de produits. Donc, ces usines de farine de poisson encouragent la surexploitation de nos ressources. Donc, parce que ces usines, parce que ils pêchent les petits pélagiques, ces usines ciblent les petits pélagiques, et ces petits pélagiques-là sont destinés à la transformation. Donc, il y a la concurrence, nous, en tant que femmes transformatrices, ces usines de farine de poisson, mais aussi il y a la concurrence entre nous, en tant que femmes transformatrices, et d'autres personnes qui exportent le produit vers les autres pays. Donc, ce que cela impacte en majorité notre activité, donc le métier de certaines femmes qui s'activent au niveau du secteur de la pêche, leurs activités vont disparaître, surtout nous en tant que femmes transformatrices. Donc, avec le peu de poissons que nous avons, donc à la longue, les femmes n'auront plus droit d'accéder à ces ressources. Donc, par rapport à ces impacts, je viens aussi dire comment c'est impacté. Parce que il y a des subventions avec l'OMC, il y a des subventions qui sont destinées à la pêche, et ces subventions sont ciblées surtout aux les pêcheurs. Donc, ces subventions sont destinées c'est des subventions des moteurs, c'est des subventions des matériels de pêche. Des exonérations pour les matériels de pêche et des subventions sur le carburant. Donc, ces subventions-là, il faut qu'on essaye de voir par rapport à ces subventions comment appuyer les femmes. Donc, ces subventions destinées à ces moteurs et autres que je viens de citer accélèrent ce qu'on appelle la surpêche. Et donc, en plus de la forte présence de ces flottes. Donc, le fait qu'il y a beaucoup de flottes dans nos eaux, donc on ne peut pas contrôler, il y a toujours ce qu'on appelle la pêche yénène. Et donc, on ne parvient pas à... Donc, par rapport à slide, next. Je m'en vais avec quelques recommandations. Donc, pour appuyer les femmes qui sont dans le secteur de la pêche, donc il faut améliorer l'accès aux ressources halieutiques aux femmes. Donc, quand je dis l'accès des ressources halieutiques aux femmes, c'est de réserver l'exploitation des petits pélagiques qui est destinée à la transformation uniquement à la pêche artisanale. Et pourquoi je dis ça? Parce que ces petits pélagiques étaient destinés à la transformation. Et présentement, ces petits pélagiques actuellement sont destinés vers l'exportation. Donc, c'est ça qui est entré dans la surpêche. Donc, par rapport à nos recommandations aussi, non seulement
améliorer l'accès aux ressources, mais aussi au crédit. Parce que comme il y ait le fait qu'il y ait la concurrence déloyale entre les femmes transformatrices et les usines, donc au niveau des plages, une caisse de sardines rondes coûte actuellement à 22 500. Donc comment une femme transformatrice peut acheter ça et transformer ça? Donc si tu n'as pas suffisamment de moyens, tu ne peux pas accéder, tu ne peux pas être face à la concurrence. Mais aussi, on peut noter également le renforcement de capacités techniques et organisationnelles et politiques des femmes. Donc, pourquoi je demande ça? Parce que le fait qu'on renforce ces femmes leaders, cela nous permet de faire des plaidoyers et de prendre en compte nos préoccupations et pouvoir plaider en face à nos autorités par rapport à nos problèmes que nous vivons. Donc, renforcer aussi la participation des femmes à la gouvernance des pêches et de leur reconnaissance. Donc, parce qu'il y a pas mal de politiques de pêche actuellement, donc les femmes ne sont pas prises en compte comme il le faut. Donc, prenons l'aspect genre, par exemple. Les femmes ne sont pas impliquées dans les instances de décision. Donc, partout où vous voyez, que ce soit au niveau institutionnel, que ce soit au niveau de l'organisation, donc les femmes occupent toujours le second rang, toujours les postes de vice-président, des postes des adjointes. Donc, quand on prend l'exemple, par exemple, des commissions consultatives pour l'attribution des licences, vous ne voyez pas de femmes là-dedans. Donc, si vous prenez par rapport au CLPA au Sénégal, donc, vous ne voyez qu'une seule femme coordonnatrice et une seule femme vice-coordonnatrice, donc sur 40 CLPA. Donc, cela montre que les femmes ne sont pas suffisamment prises en compte par rapport dans le secteur de la pêche. Et puis, donc, il y a un projet de décret qui est toujours en cours. Donc, les femmes transformatrices ne sont pas reconnues. On ne les reconnaît pas ni par leur nombre, mais ni par des chiffres, par des statistiques fiables qui montrent que la contribution des femmes par rapport au secteur de la pêche. Donc, il y a aussi de mettre en place des aménagements de travail adéquats à leur activité. Donc, pour permettre à ces femmes, le fait qu'il n'y a pas suffisamment de produits, donc avec le peu de produits que nous disposons actuellement, avec le peu de produits que nous disposions actuellement, qu'on puisse ajouter une valeur ajoutée qui permette à ces femmes-là, avec le peu de produits, de pouvoir gagner quelque chose. Donc, il faut que nos aires soient aménagées et continuent à être aménagées. Donc, par rapport à l'OMC, ce que nous demandons, c'est qu'il faut que les subventions destinées aux pêcheurs, il faut qu'il y ait aussi des subventions destinées aux femmes qui sont dans le secteur, à savoir les femmes transformatrices et les marieuses qui sont dans le secteur. Next. Donc, merci de votre aimable attention et je suis à votre disposition par rapport à vos questions et autres. Merci. Merci beaucoup, Madame Diop, pour votre présentation. Mais merci beaucoup pour votre intervention aussi, qui souligne vraiment le besoin urgent de renforcer les capacités techniques, organisationnelles et politiques des femmes. Bienvenue aux participants qui viennent juste de nous joindre. Je vois qu'il y a, Bokar, il y a Hélène, il y a Fatou. Bienvenue à notre webinaire. Les questions peuvent être posées à tous les panélistes dans le chat et on reviendra pour les répondre à la fin de notre session. Donc, je voudrais maintenant passer la parole au docteur Diabel Habib, chercheuse principale des pêches à EcoTrust Canada, scientifique et experte reconnue mondialement pour son travail pionnier sur les pêches en Afrique de l'Ouest, notamment sur la sardinelle, qui va nous parler de l'impact historique des subventions néfastes dans la région, ainsi qu'une synthèse des négociations courantes à l'OMC.
À vous la parole, docteur Belhabib. Merci beaucoup. Donc, je vais juste partager ma petite présentation rapidement. Alors, je dirais que vu la complexité et la nature des pêcheries en Afrique occidentale, c'est pas toujours évident de résumer toute la situation et de parler de la complexité des dynamiques de ce qui se passe à l'OMC en 10 minutes, mais je vais essayer de couvrir le plus que je puisse. Je suis vraiment contente que Madame Diop ait couvert l'aspect pêche artisanale et transformation, parce que ça vraiment, c'est une partie très, très importante que je dirais a été probablement un petit peu quand même négligée durant les négociations au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, quand on parle des subventions pour les pêches. Donc, je suis désolée que la présentation soit en anglais, mais je vais parler en français. Ce qui se passe, c'est que j'aimerais juste donner une définition globale de ce que c'est qu'une subvention. La plupart du temps, beaucoup de personnes croient qu'une subvention, c'est vraiment de l'argent qu'on donne directement à un pêcheur, par exemple. En fait, ça peut être une exemption d'impôt, ça peut être un bon pour le carburant, ça peut être un prêt sans intérêt, donc la partie sans intérêt et la partie subvention. Ça peut être un rachat d'un navire et ça peut être en fait des subventions qui sont un financement particulier, un programme de gestion quelconque. Donc, dans ce contexte bien précis, il y a des négociations qui se sont faites sur ce qu'on appelle les bonnes subventions et les mauvaises subventions. Donc, tout ce qui est bonne subvention, c'était dédié plutôt à tout ce qui est conservation, redirection de l'effort de pêche, donc le rachat des navires de pêche, etc. Ça, c'est ce qui a été discuté au niveau de l'Organisation mondiale de commerce. Ce qui se passe, c'est que ça n'a pas forcément été informé correctement pendant le processus par des acteurs tels que Madame Diop ou par d'autres acteurs dans l'industrie en général. Et quand je dis l'industrie, c'est surtout ce qui concerne la pêche artisanale qui n'a pas forcément un lobby très fort dépendamment du pays où l'on se trouve. Il y a bien sûr des questions d'égalité entre les pays qui ont été abordées également par plusieurs parties durant les négociations. Donc, je vais en parler un petit peu pendant la présentation également. Donc, quand on parle de subventions, ça généralement, les subventions qu'on appelle néfastes, donc ça, c'est une des catégorisations. Quand on parle d'une subvention néfaste, moi, je me dirige immédiatement vers la pêche industrielle, surtout celle qui provient d'ailleurs. Donc, un bateau qui provient de Chine, un bateau qui provient d'Espagne, qui vient pêcher au Sénégal. Ce bateau-là, on lui donne un certain montant d'argent, soit par l'intermédiaire d'un bon pour le carburant, soit par l'intermédiaire d'une exemption d'impôt, etc. Et ça lui permet en fait à ce navire de réduire les coûts d'exploitation et de faciliter et de maintenir l'exploitation. Ce qu'on a vu, c'est qu'un navire, un seul navire peut avoir une subvention totalisant plus de 130 000 $ par année, donc ce qui est vraiment beaucoup. Et sans ces subventions, les analyses que l'on a faites l'année dernière et l'année d'avant, on a trouvé que sans ces subventions, la plupart des navires distants, donc la plupart des grands navires de pêche qui viennent d'Europe ou de Chine, ne peuvent en effet pas opérer sans avoir accès à ces subventions parce que les coûts sont juste trop élevés, même après réduction des coûts par l'utilisation de ce qu'on appelle le travail forcé. Donc, même si on utilise vraiment des gens, beaucoup de ces navires font déjà, donc même s'ils utilisent des gens à salaire vraiment très bas, ils ne peuvent pas subvenir aux coûts, à tous les coûts, sans ces subventions ou sans la présence de ces subventions. Donc, ce n'est pas vraiment un modèle qui fonctionne très bien. Donc, le processus de négociation était très difficile, très complexe. Ça a duré plus de 20 ans. C'était très, comment dire en anglais, painful. Ça faisait mal, on va dire. Ça faisait mal à la tête. Il y a eu des options qui ont été présentées. Donc, notamment, les options avaient attrait aux disciplines. Donc, ce qu'on appelle les disciplines, c'est vraiment qu'est-ce qu'on bannit comme subvention, qu'est-ce qu'on ne permet pas comme subvention. Il y a trois axes principaux. Donc, on parle de, premièrement, la pêche illégale. Donc, tout ce qui est attrait à une pêche illégale ou même
non régulée, donc la pêche INN, on n'a pas forcément le droit de subventionner ce genre de pêche. Donc, l'article 3 est vraiment très précis par rapport à ça. Si un navire a commis une action illégale, ce navire-là ne devrait pas avoir accès à la pêche, à une subvention de pêche. C'est aussi simple que ça. La détermination de ce qu'est un navire qui a pêché illégalement est quelque chose de très complexe. Donc, ça passe par exemple, si on donne l'exemple du Sénégal, si le Sénégal trouve qu'un navire, donc ça c'est l'état côtier, un état côtier peut faire la détermination. Donc, la détermination, ça veut dire ce navire-là a pêché illégalement dans mes eaux. Ensuite, cette information est soumise au niveau du pays qui subventionne le navire. Donc, on peut parler de l'Europe, on peut parler de la Chine, etc., etc. J'ai beaucoup d'espoir par rapport à ça parce que des modèles précédents, nous avons vu par exemple dans le cas de la Sierra Leone, dans la sous-région, la Sierra Leone avait contacté à plusieurs reprises le DG Mare, donc l'Europe en gros, la Commission européenne, en disant qu'il y a certains navires italiens qui ont pêché de manière pas très transparente ou même illégale dans mes eaux. Il n'y a pas forcément eu d'action qui s'en est suivie, en tout cas pas de manière publique pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé, mais cette option en particulier, ou cet article en particulier, va permettre vraiment une avancée comme on n'a jamais vu avant, si ça s'applique et si c'est appliqué de manière convenable. Il y a bien sûr d'autres déterminations qui se font. La détermination par l'état côtier est juste un exemple que je veux donner, mais il y en a plusieurs aussi qui s'en suivent. Il y a aussi l'interdiction des subventions pour tout ce qui est navire qui pêche des stocks qui sont surexploités ou qui sont déjà surexploités. On peut d'ores et déjà parler, comme Madame Diaba avait dit, le stock de sardinelle dans la sous-région ne va pas très bien. C'est un stock qui est réputé notamment dans la région Maroc, Sénégal, jusqu'en Guinée comme étant surexploité pour certaines espèces. Et donc, cela veut dire que tous les navires qui sont en train d'exploiter par cet article-là, dans cette région du monde, la sardinelle dans cette région du monde devrait être interdite de subvention. Ça ne veut pas être, ça va pas forcément être interdit d'exploitation, mais interdit de subvention, ce qui peut empêcher beaucoup de ces navires d'opérer convenablement et donc tout simplement ne pas faire leur quota de revenus et de partir de la sous-région, ce qui peut être positif pour la pêche artisanale. Mais ce que ça veut aussi dire, si l'on exclut ce qu'on appelle le traitement différentiel, donc si on exclut les exemptions, donc si on traite la pêche artisanale de la même sorte, ça peut vouloir dire que beaucoup de pirogues au Sénégal vont être sujets à cette même discipline, donc à cette même interdiction, et le Sénégal va devoir en fait se justifier si ces subventions sont toujours présentes dans le cas de la pêche artisanale. Je vais en venir au traitement différentiel dans quelques instants. Il y a aussi toutes les interdictions qui ont attrait à la surcapacité et à l'état de surpêche. Donc, le stock peut ne pas être déjà surpêché, mais peut être en état de surpêche et peut l'idée, en fait, peut finir comme étant surexploité. Et donc, dans ce contexte bien précis, encore une fois, nous avons plusieurs disciplines qui s'appliquent, donc plusieurs articles qui interdisent ce genre d'exploitation. Et on sait déjà qu'au Sénégal, il y a un gros problème de surcapacité. Je ne suis pas forcément l'un des partisans de dire que c'est la pêche artisanale qui a causé ça, parce qu'il y a un grand éléphant dans la pièce qui est la pêche industrielle, notamment qui opère au niveau de la Mauritanie pour un stock qui est partagé. Ce n'est pas forcément toujours très visible. Donc, quand on parle de la surcapacité, il faut vraiment d'abord éliminer tout ce qui est pêche industrielle par des États autres dans la sous-région avant de commencer à cibler la pêche artisanale. Donc, quand on parle du traitement différentiel, c'est vraiment les exemptions qui s'appliquent à ces prohibitions, à ces interdictions de subventions. J'avais, quand j'étais au niveau de l'Organisation mondiale de commerce, j'avais notamment parlé de la pêche artisanale en disant que ça ne devrait pas être en premier lieu, ça ne devrait pas être contrôlé, pas contrôlé, mais ça ne devrait pas avoir ces restrictions en premier lieu sur la pêche industrielle et sur la pêche artisanale en même temps. On devrait d'abord voir les grandes pêches, donc les pêches industrielles, surtout par les États non côtiers, dans les eaux des États côtiers. Donc, tout ce qui est navire européen, navire chinois, quand on parle du contexte de la sous-région, etc., on devrait vraiment commencer par voir ça et exercer les prohibitions et les interdictions sur ce type de pêche-là. Ensuite, passer au niveau supérieur, si un passage au niveau supérieur
est applicable dans ce contexte bien précis. On avait vu, selon les analyses qu'on avait trouvées, que si les navires industriels étaient interdits de subvention, ils n'allaient pas être capables d'opérer. Et si on interdit beaucoup de ces navires, donc par l'intermédiaire des interdictions de subvention, nous allons avoir vraiment beaucoup de résultats positifs par rapport à la pêche artisanale. Donc, à un moment donné, nous allons voir dans la sous-région que les pêcheurs artisanaux n'ont pas forcément besoin d'avoir accès aux subventions parce que leur revenu va déjà augmenter. Et donc, quand on voit un revenu augmenter de la pêche artisanale, ça affecte vraiment la pêche en amont, y compris l'activité des femmes transformatrices. Donc, supporter les femmes transformatrices par l'intermédiaire des subventions n'est pas forcément quelque chose qui est perçu comme étant négatif. Au contraire, parce que ça empêche donc les pertes par rapport aux poissons et ça nourrit les marchés locaux, etc., etc. Donc ça pourrait être un traitement spécial au niveau des pêches artisanales qui aurait été vraiment très indiqué. On parle aussi des traitements spéciaux ou traitements spéciaux par rapport aux pays les moins développés. Et ça, c'est heureusement que c'est couramment maintenant, à l'instant précis, c'est déjà dans le texte qui est proposé, les textes d'articles qui sont proposés pour les négociations pour ce mois-ci du mois de juillet. On espère vraiment atteindre un agrément ce mois-ci, le mois de juillet. On ne sait pas si ça va être le cas. Encore une fois, ça a duré 20 ans. Mais en fait, ce texte-là n'est pas forcément très précis, mais ça donne une certaine flexibilité pour les pays tels que les pays de la sous-région de prendre du temps pour pouvoir exercer ces prohibitions et ces interdictions. Mais aussi, il y a un texte bien précis par rapport, et ça, Madame Diaba en avait parlé aussi, Madame Diop, par rapport à la capacité, en fait, à enrichir la capacité. Et ça, c'est un élément que je veux vraiment laisser les gens avec à réfléchir par rapport à ça. Quel type de capacité on parle? Parce qu'on ne parle pas vraiment la même langue quand il s'agit des acteurs, par exemple, au Sénégal et dans la sous-région, que quand on a les ambassadeurs au niveau de l'Organisation mondiale de commerce. Donc, quand on parle de capacité et de construire la capacité locale, généralement, c'est la compréhension des interdictions de subvention, etc., etc. Les pays, la surveillance au niveau des pays, etc. Mais on ne parle pas forcément de la capacité des acteurs. Et ça, c'est quelque chose auquel on devrait vraiment réfléchir de manière de plus en plus dans la sous-région et espérer qu'il y ait un accord. Et cet accord devrait avoir vraiment des lignes directrices par rapport à ce genre de capacité. Voilà, merci beaucoup de votre attention et j'espère avoir répondu à quelques questions si l'audience en a. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup, docteur Bellaby, pour votre intervention. J'aimerais bien sûr rappeler aux participants que vous pouvez en fait poster des questions dans la section qui s'appelle Q&A et qu'on peut répondre à vos questions éventuellement à la fin de ces discussions. Environ 10 millions de personnes travaillent dans le secteur des pêches en Afrique, dont 7 millions en Afrique de l'Ouest et du Centre. En Afrique de l'Ouest, les exportations et l'accès direct aux ressources halieutiques, notamment par les accords de pêche, comme les accords de partenariat de pêche de l'Union européenne, représentent les deux principaux modes d'approvisionnement des marchés internationaux. Comme dans d'autres pays, la raréfication de la ressource est une préoccupation majeure des pêcheurs. Ainsi, les flottes européennes agissant dans le cadre des accords de pêche et via des sociétés mixtes locales contribuent au pillage systématique des ressources halieutiques. Notre prochaine panéliste est Madame Béatrice Gorez, coordinatrice de la Coalition pour des accords de pêche équitables, qui va nous donner plus de contexte sur ce sujet et sur son parcours pour assurer plus d'équité dans l'application des accords. À vous la parole, Madame Gorez. Merci beaucoup et merci beaucoup aux panélistes précédentes, Madame Diop et Dr Bellabib. Donc oui, moi j'ai suivi les négociations au niveau de l'OMC depuis le début. Ça fait longtemps parce que la première fois où je suis allée à Genève, j'étais enceinte de mon premier fils et maintenant il a fini l'école. Donc ça fait un peu longtemps que ça dure. Et là, on le suit un peu au jour le jour parce que comme disait Dia, il y a une date peut-être à retenir qui est le 15 juillet prochain, donc fin de la semaine prochaine, où il y aura une rencontre des ministres, des membres de l'OMC, qui à mon avis ne sera pas décisive, malheureusement, mais qui va permettre, on l'espère, de rapprocher les points de vue
et un accord est souhaitable ou serait souhaité pour fin de l'année. Donc, mais soyez attentifs la semaine prochaine, le 15 juillet, il y aura cette discussion au niveau de l'OMC et là, on verra déjà un petit peu où les gens, où les pays se positionnent par rapport au sujet essentiel dont Dia a parlé, c'est-à-dire, et qui sont assez positifs, sur papier en tout cas, c'est-à-dire l'arrêt des subventions pour la pêche illicite, ça c'est vraiment très important, l'arrêt des subventions qui conduisent à la surpêche et à la surcapacité, on l'a dit, et aussi j'ajoute un article qui est très important, c'est un article qui demande plus de transparence sur les subventions, la notification des subventions, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de connaissances par rapport à qui est subventionné et qui reçoit tout cet argent. Donc, avoir une notification plus systématique par les pays des subventions qu'ils accordent à leur flotte, à leur filière de la pêche, c'est extrêmement important. Donc ça, on espère qu'on avancera aussi sur la question de la notification des subventions. Maintenant, pour ce qui est de la pêche artisanale dans les pays africains, je dirais qu'il y a deux grands sujets qui sont importants. Le premier sujet, c'est, Dia en a parlé, la façon dont le traitement spécial et différencié va être appliqué dans les pays les plus pauvres. Et l'autre partie, c'est de voir un petit peu comment est-ce que les subventions qui arrivent aujourd'hui aux flottes industrielles, notamment les flottes de l'Union européenne, mais pas seulement. Aujourd'hui, si on regarde l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Union européenne, il y a la Russie, il y a la Chine qui sont là, qui sont bien là et qui ensemble contribuent au problème. Donc, ce n'est pas la question de cibler l'un ou l'autre des acteurs, c'est flottes industrielles qui ont accès aux eaux ouest-africaines et africaines, contribuent toutes au problème. Alors, si on revient au traitement spécial et différencié, moi j'ai quand même quelques inquiétudes par rapport à ce qui est sur la table aujourd'hui et qui sera en discussion. D'abord, c'est la façon dont ce traitement va être appliqué. On a aujourd'hui des pays parmi parmi les plus pauvres qui demandent, par exemple, d'être exemptés, pour un certain temps en tout cas, de la discipline sur les subventions à la pêche illicite. Donc, de pouvoir ne pas exempter les activités de pêche illicite. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, mais ça donnerait un signal assez négatif si le traitement spécial et différencié est aussi un traitement qui s'applique ou qui laisse continuer certaines subventions à la pêche illicite. Alors, par rapport à l'exemption sur ce qui est de la pêche artisanale, ce n'est pas trop clair non plus, parce que certains demandent par exemple que les subventions pour la pêche artisanale soient exemptées de discipline, pendant un certain temps ou de façon permanente, ça c'est aussi en discussion. Mais j'ai entendu aussi certains pays qui demandent, par exemple, que toutes les activités dans les 12 000, donc qui se passent dans les 12 000 du pays en question, soient exemptées de discipline sur les subventions. Donc ça veut dire que dans tout ce qui se passe au niveau des 12 000, pourrait être exempté de discipline, donc on pourrait continuer à subventionner ce qui s'y passe. Alors il faut savoir que c'est vrai que dans ces 12 000, la pêche artisanale est très active, mais il n'y a pas qu'elle. Dans beaucoup de pays, la pêche industrielle, les chalutiers côtiers typiquement, sont actifs dans la zone des 12 000. Donc, si on n'a pas une discipline forte par rapport à ce que font aujourd'hui les chalutiers côtiers, qui sont, dans la majorité des cas, ce sont des chalutiers d'origine étrangère. Je connais, à part l'Afrique du Sud, je ne connais pas vraiment de chalutiers qui soient vraiment local. Tous les chalutiers qu'on retrouve aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, ils vont être des chalutiers d'origine espagnole, d'origine grecque, italienne au Sierra Leone, mais aussi surtout et de plus en plus d'origine chinoise. On a eu l'exemple au Sénégal et je sais que Madame Diop était très, très active pour dénoncer ça. On a vu l'exemple de cette cinquantaine de chalutiers chinois qui ont demandé des nouvelles licences l'année dernière, enfin en 2020, et qui, heureusement, pour le moment, en tout cas, ont été refusées. Donc, dans cette zone de 12 000, c'est là qu'il y a les problèmes. Et c'est là que la pêche industrielle pose problème. Donc, si on exempte aujourd'hui de discipline sur les subventions tout ce qui se passe dans cette zone de 12 000, c'est très dangereux pour la pêche artisanale. Et à ce moment-là, ça veut dire que ce traitement différencié des pays les plus pauvres ne va pas du tout bénéficier à la pêche artisanale. Donc, c'est vraiment très important de suivre ce qui va se discuter vendredi prochain et de voir comment cette exemption de subventions des pays les plus pauvres va se manifester au niveau de la pêche artisanale. Je crois qu'il y a un consensus de plus en plus grand pour dire qu'il faut exempter de discipline les pêcheries qui sont vraiment des pêcheries de subsistance, des pêcheries qui permettent aux communautés de se développer. Mais à côté de ça, si on laisse se faire d'autres choses, comme de laisser sans aucun contrôle les subventions au chalutage côtier, je crois que ça ne va pas aller dans le sens d'une bonne pêche artisanale. Maintenant, par rapport à ce que disait Madame Diop, c'est vrai qu'on pourrait réorienter
ce qui se passe au niveau de l'appui public dans les pays les plus pauvres. On pourrait notamment réorienter tout à fait, et là je crois que c'est vraiment une très bonne proposition que Dia faisait, de dire qu'au niveau du traitement spécial et différencié, ben, il faut justement que l'appui à des infrastructures qui vont servir pour les femmes, pour la transformation, que des appuis à la formation, que tout ça fasse partie de la différence. Parce que c'est vraiment là où il y a possibilité d'avoir un développement durable de la pêche artisanale. Et je crois que si on se réfère aussi aux instruments existants comme les directives de la FAO pour la pêche artisanale durable, il y a tout c'est un guide qui peut vraiment aider les pays africains notamment à se dire, ben voilà, en termes de traitement spécial et différencié, si notre pays veut vraiment soutenir la pêche artisanale, on a toute une série de domaines là où on peut investir de l'argent public, que ça soit en termes d'infrastructure, que ça soit aussi pour des services de base, l'accès à l'eau, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, au sanitaire, etc. Tout ça, ce sont des éléments extrêmement importants, comme l'a souligné Madame Diop. Donc voilà, ça c'est un petit peu les enjeux qui sont sur la table pour le traitement différencié et qu'il faudra vraiment, vraiment tenir à l'œil dans les discussions de la semaine prochaine. Alors, au-delà de ça, et Dia en a parlé aussi, il y a tout ce qui concerne les subventions pour les flottes industrielles étrangères. Bon, là, de mon côté, j'ai surtout suivi ce qui se passe au niveau de l'Union européenne et au cours des années, on a obtenu en tout cas plus de transparence là-dessus. Donc, on sait beaucoup plus aujourd'hui quel est l'argent public qui soutient l'arrivée ou qui soutient l'accès des flottes européennes, en tout cas sous accord de partenariat. Donc là, au moins, il y a une certaine transparence. On sait plus ou moins ce qui s'y passe. Mais ce qu'on ignore encore, c'est quelles sont les subventions dont bénéficient des bateaux européens qui pêchent en dehors des accords de partenariat. Les accords de partenariat avec l'Union européenne, c'est un petit peu le sommet de l'iceberg. Il y a une partie des bateaux qui pêchent sous accord de pêche, comme avec le Sénégal, comme avec la Mauritanie, mais il y a une partie des bateaux qui est assez importante et qui représente surtout des petits chalutiers côtiers, enfin des chalutiers côtiers, qui, eux, passent en dessous des radars parce qu'ils ne pêchent pas sous accord de pêche. Au Sierra Leone, comme on le disait, il n'y a pas d'accord de pêche avec le Sierra Leone. Si vous regardez l'Angola, il n'y a pas d'accord de pêche avec l'Angola. Il y a beaucoup de bateaux d'origine européenne en Angola, en Sierra Leone. Et donc, ces bateaux-là, on ne sait pas très bien comment ils ont été subventionnés, où est-ce qu'ils pêchent, ce qu'ils font, avec quel type d'autorisation. Il y a eu des avancées parce que la société civile européenne se mobilise depuis des années là-dessus. Donc, par exemple, sur le cas du Sierra Leone, nous avons, avec d'autres organisations, porté plainte au niveau de la Commission européenne par rapport à leur inaction. Et donc, voilà, ça avance un petit peu. On demande encore des informations. Ça prend beaucoup de temps. Ça fait 2 ans qu'on est en discussion avec la DGMAR de l'Union européenne. Mais en tout cas, ces bateaux-là posent au moins autant de problèmes, si pas plus de problèmes, que les bateaux qui pêchent sous accord de pêche. Donc, il ne faut pas juste penser aux accords de pêche quand on pense à l'Union européenne, et il ne faut pas penser seulement à l'Union européenne quand on pense à la pêche étrangère. Aujourd'hui, on va au Sénégal, ce qu'on voit, ce sont des drapeaux ou des pavillons qui sont soit des pavillons chinois, ou soit des équipages chinois, ou soit des bateaux avec des noms chinois. Donc, je veux dire, il y a d'autres acteurs. La Russie est aussi extrêmement active, surtout pour la pêche aux petits pélagiques, parfois de façon légale et parfois de façon, à mon avis, illégale. Par exemple, certains qui ont des licences pour pêcher en Mauritanie ou en Guinée-Bissau, de temps en temps, passent la frontière et vont pêcher illégalement dans les eaux sénégalaises. Donc, il y a beaucoup d'acteurs dans cette surpêche et de surcapacité. Et il ne faudrait pas que ce qui se négocie aujourd'hui au niveau de l'OMC leur permette un petit peu d'échapper à la discipline sur les subventions. Donc là aussi, on a un article 5 qui est assez, qui a du bon et du mauvais, c'est-à-dire il y a tout dedans. Il y a certaines parties de l'article, si elles sont appliquées, on peut être sûr quasiment que les bateaux qui pêchent sous accord de pêche devront payer 100% de leur coût d'accès. On est sûr que les bateaux n'auront plus d'argent pour se repavillonner ou ne bénéficieront plus de subventions, comme l'a expliqué Dia, donc avec la complexité de ce que constitue une subvention, ne bénéficieront plus de ces subventions pour aller pêcher dans les eaux africaines. Mais si d'autres morceaux de cet article sont adoptés,
ça détricote un petit peu tout ça. Et ça permettrait, par exemple, aux bateaux de l'Union européenne de continuer à être subventionnés pour avoir accès aux eaux des pays africains et à certains bateaux de continuer à avoir accès à du fuel détaxé, de continuer à devoir payer moins de taxes, etc., etc. Donc, il faut, de nouveau, ça, c'est l'autre morceau qui, pour moi, est extrêmement important à regarder dans les discussions qui vont avoir lieu le 15. C'est comment cet article 5, qui est vraiment l'article qui concerne l'accès des flottes étrangères aux eaux des pays comme les pays africains, comment cet article-là va être tricoté ou détricoté. Donc ça, ce sont pour moi les deux éléments vraiment importants de ces négociations. Et alors une dernière question qui n'est pas à l'ordre du jour, mais je crois qu'elle devrait l'être dans l'avenir, c'est le fait que les discussions sur les subventions à la pêche ne s'appliquent pas aux produits de l'aquaculture. Alors, c'est vrai que peut-être quand ça a commencé il y a 20 ans, l'aquaculture n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui. Mais on voit qu'aujourd'hui, l'aquaculture, et quand je dis l'aquaculture, c'est vraiment l'aquaculture industrielle, souvent de poissons carnivores, donc qui dépendent en grande partie de la farine de poisson pour se nourrir, donc pour la production de ces produits d'aquaculture. Aujourd'hui, c'est une grande partie de la consommation, notamment sur des marchés comme les marchés européens, c'est la consommation de produits d'aquaculture industrielle. Et une grande partie de ces produits d'aquaculture industrielle dépendent de la production de farine de poisson, notamment de farine qui vient d'Afrique de l'Ouest. Donc, je trouve qu'il est aujourd'hui, vu l'évolution des choses, il est anormal, quelque part, qu'on ne parle pas de subventions pour le secteur de l'aquaculture, qui est un important facteur qui pousse à la surexploitation, qui pousse à la surpêche et qui vraiment empêche les femmes, comme Madame Diop et ses collègues, d'avoir accès à la matière première pour leur travail. Voilà, je m'arrêterai là pour le moment et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Merci beaucoup, Madame Gorès, pour cet aperçu. Donc voilà, nous avons terminé nos présentations. Les questions, on passe à la période questions. Donc vous pouvez bien sûr poster des questions sur le Q&A. Moi, j'ai trouvé ces trois présentations très intéressantes. Et une question qui me vient directement à l'esprit, c'est que si ces négociations ont commencé déjà en 2001, pourquoi est-ce que 20 ans après, on est toujours loin ou toujours, on n'a toujours pas eu un accord qui va bénéficier les pays de l'Afrique de l'Ouest? J'aimerais bien un peu comprendre pourquoi, quels ont été les obstacles à travers ces années qui n'ont pas permis, en fait, c'est une négociation qui a duré 20 ans. Donc, quand même longtemps. Et là, on se trouve dans une situation un peu plus compliquée parce qu'on a eu la situation du Covid. Donc, bien sûr, ces secteurs demandent plus de subventions. Donc, est-ce que c'est possible que toute la situation post-Covid et les subventions qui ont déjà été accordées au secteur de pêche risquent de dérouler complètement encore plus ces négociations? Donc, Béatrice, je vois que peut-être tu as des réflexions que tu voudrais partager à ce sujet. Pardon. Donc, d'abord, par rapport à ta première question, les éléments qui ont fait problème, ça a toujours été les mêmes. Ce sont les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, ce qu'on a dit, l'accès des flottes étrangères aux eaux des pays tiers, ça a toujours été un problème. La subvention de l'accès de ces flottes, ça a toujours été un problème. Ce que constitue une subvention néfaste, ça aussi, ça a été vraiment un problème. Le traitement différencié des pays les plus pauvres. Et aussi, je dirais, peut-être la notification. Donc, tout a été un problème parce que certains pays bénéficient du régime actuel. Il y avait une personne qui était à la Commission européenne et qui a commenté une fois que voilà, quand on donne un os à un chien, c'est très difficile de lui retirer. C'est un petit peu ça. On a donné des subventions à la pêche industrielle. Elle a besoin de ces subventions. Elle ne peut souvent plus vivre sans ces subventions. Ben, ça va être très difficile de lui retirer. Donc, voilà, ce sont des conflits d'intérêts. Un élément peut-être, et là, je suis curieuse de voir comment ça va se passer, c'est que, vous savez, au niveau international, un pays comme la Chine est considéré comme pays en développement. Et donc, ici, évidemment, ça pose problème, puisque d'un côté, c'est un pays en développement. D'un autre côté, c'est parmi les pays qui subventionnent le plus. Donc, de voir un petit peu comment ça va être réglé, c'est quelque chose qui va être intéressant. Parce qu'évidemment, ça va affecter beaucoup la façon dont les choses vont se passer dans les pays africains. Merci, Béatrice. Dia, je ne sais pas si vous avez des réflexions que vous voulez partager sur ça. Merci beaucoup pour la question et Béatrice a vraiment bien résumé la problématique actuelle et telle qu'elle a été. Il y a eu diverses
position par divers pays. Donc, à un moment donné, j'ai vu les différents proposals, donc les différentes propositions de divers pays, notamment par l'Inde, qui s'était opposée aux interdictions des subventions par rapport à son secteur côtier, qui en parle de milliers de bateaux. La Chine qui avait proposé à un moment donné que les subventions soient en fait proportionnelles au nombre de gens ou aux captures en fait, et on sait que si c'est le cas, bah, on va voir que la Chine sera toujours le premier pays au monde qui permettra le plus de subventions. Nous avons eu à un moment donné une Union européenne qui était très rigide par rapport au traitement différentiel aussi, et nous avons eu des pays tels que l'Inde, encore une fois, et d'autres pays, notamment de la coalition, je ne me rappelle plus comment le groupe s'appelle, mais la coalition arabe, des pays arabes, qui passaient leur temps en fait, à définir des terminologies qu'on ne devrait plus utiliser, comme le terme INN ou le terme IUU, parce que ça confond plus que ça n'aide en fait, à comprendre. Donc, on passait vraiment beaucoup de temps à comprendre ce que c'était le I, le N, le N, qu'est-ce que ça voulait dire dans le contexte de subvention et tout. C'était une perte de temps assez horrible. Mais vraiment, ce que je pense que ça a beaucoup ralenti, surtout les dernières années, c'est les différents proposals des différents pays qui cherchent, comme Béatrice l'avait mentionné, qui cherchent en fait à subvenir aux besoins d'un parti et non pas forcément de l'autre. Donc, quand on voit la proposition de la Chine ou la proposition de l'Europe, à un moment donné, j'avais parlé du traitement différencié de la pêche artisanale et des pays pauvres, les plus pauvres, les LDCs, l'ambassadeur ou le représentant de l'Union européenne avait dit on ne peut pas commencer à faire des exceptions. Ben, j'avais dit je suis vraiment désolée, mais si vos navires étaient restés chez eux, ben on ne serait pas en train de chercher des exceptions au temps actuel. Et ça, ce sont des frustrations, bien sûr, des gens qui... Et on voit vraiment, quand on avait mentionné ça, on voit une partie de la pièce et une qui était contente et une autre. Donc, on voit vraiment déjà un désagrément juste avec la dynamique par rapport... Donc, ça... Bien sûr, ça va durer assez longtemps, et 20 ans, et on n'est pas prêt de voir la fin, hein, parce que on avait dit que c'était 2019, ensuite c'était 2020, là on est en 2021, et on ne sait pas vraiment quand ça va finir. Hein, donc, certains de ces désaccords sont toujours là, en fait, par rapport à la compréhension, par rapport à comment est-ce qu'on peut les pratiquer ou les implémenter. Donc, on n'est pas... Pour ma part, je suis optimiste pour cette année, mais ça se pourrait que je me trompe. Merci, docteur Dia. Et madame Diaba, pour ceux qui ont peut-être raté le début de votre présentation, si vous pouvez peut-être répondre à la question si vous pensez que les femmes ont été suffisamment représentées dans le processus de consultation des différents stakeholders, et que si vous pensez vous pouvoir jouer un rôle plus actif dans les négociations au Sénégal. Merci encore une fois. Par rapport à ce processus, les femmes ne sont pas bien représentées, même si ne sont pas suffisamment représentées. Parce que par rapport à ce processus, Moi, je disais toujours à chaque fois qu'il y a la discrimination par rapport à ces commissions qu'on met en place. Parce que dans le secteur de la pêche artisanale, il n'y a pas de femme qui est impliquée dans ces instances de politique et publique de pêche. Et je pense que, comme vient de dire, si je ne sais pas, c'est le docteur Benalip qui avait dit que par rapport aux lignes directives, ou bien c'est Béatrice. Donc, si on applique ce que les lignes directives avaient dit par rapport à la couche vulnérable, ce n'est plus seulement ce n'est plus seulement les femmes, mais ce sont les femmes et les jeunes. Donc, ce sont les femmes et les jeunes. Et c'est ça que je peux dire par rapport à cette question. Merci. Merci beaucoup, Madame Diop. En fait, c'est des voix qui sont longtemps marginalisées. Et surtout, c'est vrai que la jeunesse, c'est un des groupes qu'on a tendance à ne pas consulter dans ce genre de processus, surtout quand on parle de leur avenir. Donc, je vois là une petite question de notre participant, Hadi Diop. Alors, la question est, à votre avis, sur quelle base les subventions devraient-elles être orientées et devraient-elles être priorisées pour la pêche artisanale? Béatrice, Dia, Madame Diop, je ne sais pas laquelle d'entre vous voudrait répondre à cette question.
Allez, je me lance. Oui, merci. Là, je reprends un petit peu mon chapeau plus ONG, parce que c'est vrai que la demande qu'on a, nous, c'est que l'argent public doit aller à des biens publics. Comme Diaba Diop disait tout à l'heure, acheter des moteurs aux pêcheurs, ce n'est pas forcément pour le long terme quelque chose qui est durable, qui va dans le sens d'une pêche durable, même si c'est la pêche artisanale. Hein. Donc, moi, je crois qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, essayer de prendre les directives pour la pêche artisanale comme guide, parce que là, il y a, dans les différents chapitres, les différents secteurs, les différents éléments sur lesquels on peut intervenir avec un appui public. Un appui public financier, un appui public technique. Donc, je crois que c'est vraiment ça qu'il faut faire et éviter, même pour la pêche artisanale, éviter les subventions individuelles. On a vu en Europe même, parce qu'on a aussi eu de la pêche artisanale en Europe, dès qu'il y a des questions de subventions individuelles, c'est la course. C'est un peu la course à qui aura la subvention, à qui aura le plus gros moteur, à qui aura le plus gros bateau. Même des petits bateaux, ça peut être assez gros. Et ça crée aussi beaucoup de tensions dans les communautés. Donc, je crois que c'est vraiment... pas la bonne méthode. Et donc, voilà, nous, on reste un petit peu sur ça, l'argent public pour le bien public. Pour ce qui est des accords de pêche, pour nous, on est très clair aussi. On souhaite, notamment dans le cadre des accords de pêche avec l'Union européenne, que les armateurs payent 100% de leur coût d'accès. Il n'est absolument pas normal que l'accès des armateurs soit subventionné par l'argent public européen, par les citoyens européens. Comme Dia le disait tout à l'heure, pour certains bateaux, comme les chalutiers, par exemple, européens qui pêchent encore aujourd'hui les crevettes en Mauritanie, par exemple, eh bien, sans cet argent d'Union européenne à travers l'accord de pêche, ces bateaux-là, qui ne devraient pas être là parce que pour moi, ils ne peuvent pas s'inscrire dans une démarche de pêche durable, eh bien, ils continuent à être là. Et on continue à devoir négocier pour leur permettre d'être là. Donc, c'est vraiment important pour nous. Les armateurs doivent payer 100% de leur coût d'opération, leur coût d'accès. Et pour la pêche artisanale, vraiment des investissements dans les biens publics ou les biens pour les coopératives, mais éviter ce qui est individuel, comme les achats de moteurs, typiquement. Quoi. Merci beaucoup, Madame Gorez. Donc, voilà. Donc, ce qui est important, c'est de se rappeler que les négociations reprennent le 15 juillet. Donc, ce sera important pour les journalistes qui participent à ce webinaire de suivre ces négociations. Nos panélistes sont disponibles pour des entretiens si vous avez besoin de plus d'informations. Je sais que certains d'entre vous ont déjà couvert ce sujet il y a 2 ans quand nous avons fait notre réunion au mois de mai à Dakar. J'aimerais aussi rappeler qu'il y a en fait une bourse qui est maintenant disponible pour des journalistes de l'Afrique de l'Ouest qui veulent préparer des reportages plus approfondis sur les subventions de pêche. Si elles ne sont pas postées dans le chat, ce sera circulé par email. Et je tiens vraiment à remercier beaucoup le temps et l'expertise de notre panel. Merci beaucoup, Madame Gorez, Dr Belhabib et Madame Diop, pour votre temps. Et merci, bien sûr, à vous, les participants, de nous joindre à nous. J'espère que vous avez trouvé ce webinaire intéressant et on vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci, au revoir. Merci vous aussi, au revoir.